Islam et Psycho, les podcasts d'Ali Habibi. Épisode 5, spécial confinement, relativiser et rire pour éviter la dépression. Les imams et les religieux en général alertent sur la situation et la voient comme une punition divine. Ils sont dans leur rôle et c'est leur interprétation de ce qui se passe. On ne peut pas vraiment savoir si c'est une punition divine ou juste une épreuve divine. Dans tous les cas, leur invitation et conseil de se repentir et de profiter de ce moment pour se rapprocher davantage de Dieu est bien sûr bienvenu et juste. Mais il est aussi important, au vu de la situation, de passer des bons moments agréables et de rire pour éviter justement la dépression et éviter d'être juste dans la crainte. Beaucoup d'humoristes profitent du confinement pour poster régulièrement des choses assez drôles et qui peuvent être tout à fait respectables, sans vulgarité ou obscénité, et il est vrai que ça fait beaucoup de bien. Donc un grand merci aux imams pour leur rappel profitable, aux humoristes pour la détente et les rires. Ils font aussi partie de ces gens qui aident justement la masse à affronter cette situation particulièrement difficile. Donc cet épisode se veut très court. C'était juste, non seulement pour faire un petit clin d'œil à ces personnes qui font énormément pour la population, et aussi pour vous inviter à trouver avec relativisme un équilibre entre le fait que le moment est grave et que ça nous invite à voir les choses avec gravité, et le fait de pouvoir aussi, comme une soupape, se détendre pour ne pas tomber dans des formes de dépression. Que Dieu vous aime encore et encore plus.